Astuce pour calculer des pourcentages. Il est très facile de prendre 10% de quelque chose. Dans cet exemple, nous allons prendre 10% de 90 pour simplifier. Prendre 10% de 90, c'est calculer 10 sur 100 fois 90. Ça, c'est la même chose que 10 fois 90 sur 100. Autrement dit, on calcule d'abord 1 centième, puis on multiplie par 10, on obtient donc 10 centièmes de 90. Mais 10 centièmes, on sait que c'est égal à 1 dixième. Et 1 dixième, on a appris aussi en sixième qu'il suffit de diviser par 10 pour trouver 1 dixième. Donc prendre 10% de 90, c'est calculer 1 dixième de 90. Autrement dit, c'est calculer 90 divisé par 10. Il suffit de décaler la virgule d'un rang, ça fait 9. Prendre 10% de quelque chose, c'est égal à faire ce quelque chose divisé par 10. 10% de quelque chose, par exemple x, c'est toujours égal à x divisé par 10. Ou x sur 10. Ou je décale la virgule. Alors, comment calculer 40% de 90? On va dire que 40%, c'est 4 fois 10%. Donc, 40% de 90, c'est égal à 4 fois 10% de 90. Or, 10% de 90, on a vu qu'il suffit de faire 90 divisé par 10. Et 90 divisé par 10, ça vaut 9. Donc on n'a plus qu'à faire 4 fois 9, 36. 40% de 90, c'est égal à 36, on peut le faire de tête. Il sera donc très facile de calculer les prix lors des soldes.